Certains qualifiaient le célèbre caricaturiste Duncan Macpherson de provocateur. Pionnier influent de la profession, il avait un style audacieux et distinctif grâce auquel il a attiré l'attention des Canadiens sur des enjeux importants comme les relations canado-américaines, la guerre et les combats du quotidien. Lorsqu'il est entré au service du Toronto Daily Star en 1958, Macpherson était le premier caricaturiste canadien à négocier son salaire en passant par un agent. Il a également milité pour l'indépendance éditoriale, ce qui a changé le rôle des caricaturistes de presse canadiens. Ses dessins contredisaient parfois la position éditoriale du quotidien. Il défiait les personnes en autorité. Well, if you start agreeing with it, a lot of things happen, such as Watergate. And he was interested in other kinds of art, but just, I think, like a musician who chooses a certain kind of sound and falls in love with it, he fell in love with humor. He represented the underdog, and he felt his audience was sort of working-class Canadians. He would only criticize. He said, I have no answers. I only have criticism. Premier caricaturiste à être admis à l'Ordre du Canada, Macpherson a également remporté 6 fois le concours canadien de journalisme et a reçu la médaille de l'Académie royale des arts du Canada, entre autres. Il est décédé en 1993 à l'âge de 68 ans. Pour en savoir plus, visitez le site postcanada.ca magazine.